m'appelle François Follet, je suis ingénieur forestier de formation. J'ai étudié à l'EPFZ à Zurich avec une formation principale en danger naturel. Aujourd'hui, je travaille à l'État du Valais au sein du service des forêts, des cours d'eau et du paysage. Et je suis spécialisé en danger naturel, principalement les dangers d'avalanche et les dangers de chute de pierre, glissement de terrain et de coulée d'eau. J'aimerais préciser d'abord que les communes sont responsables de la sécurité en matière de dangers naturels sur leur territoire. Ça veut dire qu'en tant qu'autorité cantonale, on accompagne les communes afin de gérer au mieux les risques sur leur territoire. Donc dans un premier temps, ce que l'on fait, c'est qu'on va identifier où sont les risques, où sont les dangers à travers la réalisation de cartes de danger. Une fois qu'une carte de danger est réalisée, on a tout, par exemple une zone d'avalanche qui va toucher quelques habitations, on va estimer si le risque qui est induit par ce danger est acceptable ou il n'est pas. Typiquement, une grande avalanche qui peut arriver contre des bâtiments de manière régulière, c'est un risque qui est inacceptable et donc des mesures devront être entreprises. Par contre, des coulées de neige contre des bâtiments inhabités et qui se produisent de manière assez rare, c'est un risque acceptable et il faudra apprendre à vivre avec. Donc on va évaluer ces risques et si le risque est jugé inacceptable, on va procéder à des mesures de sécurisation en matière d'avalanche par exemple. Il s'agit de construire des ouvrages par avalanche dans les zones de décrochement, vous en avez certainement déjà vu. Le but c'est d'éviter que les grandes avalanches se déclenchent et n'atteignent des zones sensibles, ou alors de construire des digues en amont des villages, en amont des routes, afin d'empêcher les écoulements d'arriver jusque dans des zones problématiques. Et puis un autre aspect du travail, c'est de suivre également ces mesures, d'assurer le contrôle et l'entretien de ces mesures sur le long terme, parce qu'avec un hiver comme on vient d'avoir, si à 2500 mètres des filets par avalanche n'ont pas été inspectés depuis une vingtaine d'années, personne ne peut s'assurer qu'ils sont pleinement efficaces et on ne peut pas compter dessus. Donc mon travail consiste également à accompagner les communes dans le contrôle et dans l'entretien de ces ouvrages. Je voulais également vous rendre attentif à la responsabilité individuelle face au risque de danger naturel. Il arrive très régulièrement qu'en cas de situation délicate, des routes doivent être fermées, ce qui va vous empêcher peut-être d'accéder à votre travail, ou on va devoir peut-être évacuer certaines zones d'habitation, ce qui vous empêchera peut-être de rentrer chez vous. Il est vraiment important dans ce genre de situation de respecter strictement les directives des autorités communales. C'est de votre responsabilité, on le voit souvent, on l'a vu encore souvent cet hiver, où des gens par inconscience ou cherchant à braver les risques passent outre des interdictions, se mettent en danger et mettent en danger quelque part également les gens qui sont là pour assurer leur sécurité. Je voudrais aussi vous rappeler qu'en dehors du domaine public, c'est-à-dire qu'en dehors des voies de communication, en dehors des zones d'habitation, lorsque vous allez en montagne par exemple, c'est de votre responsabilité d'assurer votre propre sécurité. Alors informez-vous, formez-vous, ne surestimez pas vos capacités, soyez accompagné par des professionnels de manière à éviter de prendre des risques inconsidérés et de faire prendre des risques à des gens qui devraient venir vous sortir de situations délicates.